était à Florence. Ah oui, c'était Florence qui était détruite et il fallait aller casser la gueule. On était à la fin du jeu. Bah, on va essayer de finir le jeu ce soir. Oh oui, il y a un milliard de trucs. Oh là là, il y a un milliard de trucs. Y'a rien pour toi ici. Mais voilà, ça va. Toi, tu ne t'en sortiras pas. Ok. On a pas dû foncer comme ça. Je suis trop haut, il voit pas. Bon bah, c'était une mauvaise idée. Allez, on fuit. Let's go. Putain, mais c'est le bordel partout. Il y a des gardes, mais... à l'infini. Let's go. Ok. C'est moi prendre un regard sur la map. Il doit y avoir des... Voilà, exactement. Ah, mais c'est le bordel. Oh, il y a tellement de trucs à faire aux quatre coins de la ville. Oh, ça va nous prendre 1000 ans. Let's go. Bah, je pense que c'est vraiment la fin. 0 sur 9, lieutenant tué. Oui, bah, ta gueule. Ça va venir, monsieur. Faut d'abord que... j'aille... Ah ouais, ils sont vénères. Ils sont très très vénères. Tu vas finir par te fatiguer, je te le dis. Bon, allez, tu sais quoi. Merde, là-bas. Ne le laissez pas s'enfuir. Putain, comment on joue? Comme ça. Je sais bien comment il tombe comme une merde. Ça grimpe, monsieur. Let's go. Let's go, le point d'observation. Hey, j'ai pas du tout changé la... à l'aide. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2. Let's go. Que je sois dans la bonne catégorie, quand même. Fuck you. Bon, du coup, est-ce que il me l'a validé quand même? Oui. Je pense que oui, exactement. On a plein d'autres, hein. Je rappelle qu'on doit tous les faire pour des questions de complétion du jeu. Tu as tous les lieutenants de Savonarola. Bah, attends, il y en a un par là. Bien. Ah! Mais quel rapport, monsieur? Ben, on va en tuer un. En fait, c'est juste des bonhommes à tuer. Ah non. Ah non, c'est une vraie mission. Bah, tu sais quoi, je veux d'abord découvrir la ville avant de faire une mission. Et voir s'il n'y a pas des trucs à acheter. Mais je crois qu'il n'y a pas de marchand, là, avec l'état de la ville. Yes. Attends. Non mais qui se bat contre qui là? Je comprends pas. Qui sont mes ennemis et qui ne les sont pas? Attendez. Let's go. Ok. Les tortionnaires sont vraiment fous de lui. Tu vas leur raconter tous tes secrets. Et les secrets de tout le monde. Très bien. Ça me fume ça. Oh mais putain, mais ouais, c'est... il y a beaucoup trop.
fait, il y en a toujours qui vont arriver. Du coup, c'est pas cool. Non, mais laissez-moi, en fait. Non, mais en fait, casse-toi. Oui, non, mais ta gueule, en fait. Let's go. Oui, bien sûr. C'était le moyen le plus efficace de le tuer, ouais. Je suis sûr. Bah, grimpe, en fait. Toujours aussi bugué, ce bouffon. Infernal, hein. Hop là, la petite carte qui a été mise à jour. Il en reste beaucoup. Oh putain, il y a du bordel de partout. Ah mais il y a bien le marchand, du coup, faudra aller voir. Non, par là, je sais pas ce qu'il va me découvrir celui-là, puisque bon bah... Ok. Let's go. Mais laissez-moi, mais laissez-moi. Je vous en supplie. Oui, bien sûr. Faut toujours que je rachète une nouvelle manette, mais It's too expensive, I can't afford it. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Le mec, c'est gamelle tout seul. Un assassin à l'aide! Mais non, mais pas du tout, les mecs, les enfants, calmez-vous. En fait, moi, j'ai rien fait. Je suis innocent pour une fois. C'est par où? C'est par là. Let's go. Yahoo! Il y a des marchands par là. Notamment lui. L'ami, je peux soigner vos oignons. L'urine de mouton et les quatre. Je m'en fous. Ton urine de mouton ou je sais pas quoi là. Il raconte vraiment de la merde, hein, ce bouffon. Hop. Ça coûte cher, hein, quand même. Bientôt vous irez beaucoup mieux. N'en doute pas. Je sais plus en fait si j'étais déjà allé chez les marchands la dernière fois. Probablement, ouais, bah ouais. Ah, carte au trésor, pareil. Bon, bah j'ai tout. Hein. Est-ce que j'ai vraiment tout? That's a true question. Ah, fuck. Il m'en reste encore autant. Mais what the fuck, la ville elle est infinie. Mais qu'est-ce qui m'embête avec les lieutenants? J'en ai rien à foutre. Laisse-moi découvrir la ville. Le jeu qui veut pas te laisser jouer. Va tuer les lieutenants. Va tuer les lieutenants. Mais un jour peut-être. Il y a d'autres choses à faire en fait dans ton jeu de merde. C'est pas moi. Oh non. Je sais pas, devant toi. Putain. Ça, c'est l'IA vraiment bien bien programmé. Hein. Même moi, je peux pas faire ça. Sur Unity. Comprenez l'inverse. Hein. Je peux faire mieux. Non, peut-être pas. Faut pas déconner, je suis pas programmeur, mais bon, bref, vous avez capté. J'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu de la merde, hein, leur IA. Je veux bien que ça ait genre 12 ans, comme ça, 13 ans peut-être, je sais pas. Vu quel âge il a, hein, celui-là. C'est vrai que ça commence à dater un petit peu, mais bon. Quand même. Mais rien du tout. Voilà, merci. Un plaisir. Toujours un plaisir.
Attends, ne me dis pas que c'est ça. Ah, mais quel bouffon. Je me disais aussi c'était trop bizarre. Mais c'est un peu... c'est ultra bizarre. C'est la première fois que je... Le première fois que je vois cet asset. Mais non, mais il s'arrête jamais. Mon ordi, il ventile beaucoup trop. Je vais l'éloigner un petit peu. On entend les motos, hein, comme d'hab. Hein, de toute façon, vous connaissez. Ah, peut-être que je remette le micro comme je le mettais avant. Je sais pas. Je sais pas. Et en même temps, là, je suis plus libre de mes mouvements. Tu vois, j'ai pas un truc juste devant moi. Donc bon. Je sais pas. C'est. C'est vrai que pour parler tout bas pendant la nuit, pendant les lives nocturnes, c'est un peu mieux, j'avoue. Mais bon. Ta gueule. Voilà. Ça me fera plus trop chier. Ah, c'est infernal ça. Hein. Vous imaginez vous promenez tranquillement dans la rue. Là, il y a un mec avec une guitare qui arrive. Bonjour. Il vous chante à la gueule comme ça. Il vous poursuit. Il vous court après en jouant de la guitare. Ah, super. Je suis sûr d'entendre une plume. Enfin, quasi. C'est bon. Tellement. Tellement de son. Tu veux quoi, toi? Allez, tu meurs. Il y a un peu de plume ici. Hein. Bah. Grimpe? Bah non. En fait. Voilà. Allez. Non, mais je veux pas faire ta mission de merde. Quoique, en fait, si, peut-être. Il y en a plus là. Ah, dis-moi que c'est bon. Il y en a encore un. Oh, ce seum. Bon, on va quand même faire la mission parce qu'il faut qu'on avance. Hein. Oui, oui. En plus, c'est le tout dernier. Renoncer à la facilité au bien matériel. La rédemption passe par les flammes. C'est moi, oui, il a des problèmes de texture sur ses habits. On va appuyer deux fois, très bien. Plaisir. Youss, fils de pute. Oui, mais je le vois pas. C'est mignon, toi, mais... Youss, fils de chien. Il n'a rien vu. Il est où? Non mais c'est lui là-bas. Ouais, mais ma vision d'aigle ne porte pas assez loin. Mon travail était une forme de prière, un cérémonial. Après tout, si les hommes pouvaient saisir l'essence divine de mes créations, n'auraient-ils pas eux aussi le sentiment d'être plus proche de l'éternel? C'est alors que je me suis vu comme un altruiste, un porte-parole, un prédicateur. Bon, une fois que je suis là, je suis un peu kéblo, hein, je dois dire. Putain, mais ça brûle des livres, c'est des nazis en fait. Allez, viens là. Je sens que je vais tout int comme un connard. Aujourd'hui, j'ai une haha.
Mais qu'ai-je fait ? Jeu d'infiltration ? Pas du tout un jeu d'infiltration Assassin's Creed. Je le rappelle encore. Responsable de mes actes. En doutant de moi, je l'ai laissé me contrôler. Je suis désolé. Pas autant que moi. Tout cela est bien triste. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. La fuite ? La cible prend la fuite. La cible est morte. Oh bonjour. Inutile d'insister. Où est-il allé ? Ya ! Tac 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 tac. Let's go ! Putain, mais il y a des gars partout, c'est infernal. Waouh! Je me demande pourquoi il donne encore de l'argent à ce moment-là du jeu, mais bon. On s'est rapproché en plus du. Observation. Parfait ça! Là-bas, ne le perdez pas! For God's sake, please. Let me be. Tu vas mourir. Fuck off! Il me lance des cailloux! Non mais. Vous y croyez ça? Ça me lançait un caillou pendant la cinématique, tu sais. Il va tomber comme une merde. Faut que je fuis là. Il y a des gardes partout, c'est infernal. Mais laissez-moi, je vous en supplie. Mais il y a encore des gardes là. Ah mais putain, mais ils sont partout. Ah mais laissez-moi. Et hop là. Hup hup hup. Oh! On va pas le poursuivre en fait. Non mais reste là. Reste là, t'es bien. Tu vois, personne ne te voit. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, bah, ce qu'il nous reste à faire, c'est. Oh my god. Tellement. On a tellement. On a tellement. Je serais chaud d'aller faire d'abord ce plus haut. Et finir par ceux de cette zone dans laquelle je suis là. C'est quand tu veux, hein. Merci. Alors. En vrai, il y en a un juste à côté, ce serait bête. Ouais, non. Je peux même pas passer par là. Mais vous êtes pas sérieux. Eh oui, tout à fait, oui. Les mecs, ils ont des voix d'ogre, tu sais. Parce que t'as une grosse armure, ça y est, t'as une voix d'ogre. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche, la vie. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La ville n'est pas aussi grande qu'il m'y paraît. Tu n'as rien à faire là-haut. Attends. Ouais, regarde, je m'en vais. Ouh, pouf, 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 je suis plus là. Oui, ça passe aussi. Ah. Oh shit. C'est bon, ils ont rien vu. J'adore quand c'est fluide comme ça, Assassin's Creed. C'est ultra satisfaisant. Mais bon, ça arrive une fois tous les 1000 ans, donc. Non, mais ça va, les missions d'assassinat. C'est bon, on a déjà 1 milliard à faire avec la quête principale. Puis bon, on a un taux de complétion du jeu qui est satisfaisant pour moi.
Le 100% me casse les couilles. Honnêtement, trouver toutes les plumes et faire un milliard de fois des assassinats. Dire, on a déjà une vingtaine d'heures de jeu, je crois, là-dessus. Il y a un moment... un moment, bon, voilà quoi, faut peut-être dire au revoir le jeu, quoi. Passer au suivant, surtout que je dois tous les faire, donc si je me fais du 100% sur celui-là, ça veut dire que je dois faire du 100% sur les autres, sachant que j'ai même pas fait du 100% sur le premier. Et le premier était vraiment chiant. Il est là, il faut l'arrêter, tout de suite. Allez, libérez-moi. Voilà. C'était ridicule. C'était le combat le moins fluide du monde. Mais ça marche. Merde, la mission. Elle est où? Elle est juste en dessous. Oui, je descends, monsieur. Let's go. C'est pourtant simple, mes amis. Vous voulez être soigné? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre... Assassiner le médecin sans vous faire repérer. Après, laisse-moi deviner, il va y avoir un forgeron et un tailleur. Mais si, regarde, je m'assois sur des bancs, je suis d'ici. À vous de décider. Continuez de soutenir les Medici qui, comme vous le savez, se sont enfuis de Florence il y a longtemps. Ou accueillez Savonarola. Oh, je sais pas... On racle comme ça, je dirais. Pourquoi ne pas admettre la vérité? Tout le monde. C'est un homme bon, charismatique et droit. Il ne cherche qu'à nous sauver de nous-mêmes. Attends, il faut que j'arrive à me mettre dans le groupe de prêtres là-bas. Et après, c'est gagné. Et nous avons besoin d'être sauvés avant que Savonarola ne vienne à nous. Nous étions en proie au péché, gourmandise, luxure, orgueil, avarice. Ils sont tous en train de bugger entre eux. Continuer. Nous ne pensions qu'au bien matériel et au plaisir de la chair. Parfait. Nous esquivions le regard du Seigneur. Et pour cause, nous avions trop honte de nos actes. Voilà pourquoi vous souffrez. Pourquoi? C'était très difficile. Tu as versé le sang d'un guérisseur. Non. J'ai versé le sang d'un tyran. J'ai cru avoir droit de vie et de mort sur mes semblables. J'ai cru pouvoir décider de qui passerait dans l'autre monde. Je crois que je me suis laissé endormir. Ton sommeil sera éternel. Je puis t'assurer que tu ne seras pas mort en vain. Requiescat in pace. La fuite! Chut, chut, chut. Hop. Il a perdu la tête. Là-bas, capturez-le. Vous n'avez rien capturé du tout. Shit. Ah shit. Possible, mais quel bouffon. Let's go. Parfait. Allez, plus que 6. Non, 7. J'ai pas compté. M'en fous. Mais casse-toi. Je veux la map. Il met de la merde là comme ça. Il est con. Attendez 30 secondes.
Ok, we good. J'ai dû me tromper de scène. Est-ce qu'on s'est trompé de scène? Non, même pas, putain. Le boss. Juste le boss. Juste le boss. Des gens qui ne voient rien ont tout vu. N'importe quoi. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, où sont-ils enfin tous? Un peu d'action. Pas trop tôt. Savonarola m'avait prévenu que certains contesteraient notre autorité. J'ai donc conçu ce piège afin de neutraliser quiconque serait assez stupide pour jouer les héros. C'est à la fois divertissant et efficace. Pourquoi tu me parles en fait? J'ai 10 fois le temps de te tuer en fait. Assassiner le capitaine de la garde, bah oui. Quel spectacle! Je me demande combien de temps tu vas résister. Il y a quelques jours, un autre a réussi l'exploit de contre. Bon, let's go. Faut tous les massacrer. Mais ça spam, hein. Ils sont cons jusqu'au bout. La liberté. Ce sont là les mensonges que tu racontes. Ah, il s'agit bien de cela. C'est pas normal, ça. C'est un combat. Si pour la même raison, motivé mais... par le même égoïsme. Cherchez quelque chose. Ils sont combien ces bouffons? Mais non, mais c'est un fucking troll le jeu. À un moment, laisse-moi rentrer. Enfin, laisse-moi passer quoi. Allez. Mais non, mais. Y'a un moment. Putain, mais. Mais nique ta mère en fait. Oui, mais non, en fait. Tu veux vraiment retenter ta chance? Mais laissez-moi! Mais d'où vous courez plus vite que moi? Vous espèces de couteaux de boucher de merde, là? Mais. Ok, let's go. Non, mais. C'est du troll à ce niveau-là. Mais. Mais je peux pas tous les tuer, ils pop à l'infini! En plus, ils sont infernales. Mais tu vas les attraper, les bouffons, là. Allez! Putain, mais la vitesse d'exécution, c'est juste infernal. Mais... Allez! En plus, le jeu est vraiment pas fait pour gérer autant d'ennemis en même temps. Bien de ces bouffons. Mais laissez-moi. Tu es mort. Tuez-le. Non, n'insiste pas. Maintenant. Réfléchis un peu. Voilà. Je vous ai dit, le jeu est pas fait pour gérer autant d'ennemis. Du coup, ils bug tous comme des bouffons. Qu'est-ce que j'étais? Un homme orgueilleux, cruel. Non, tu étais sous l'emprise de Savonarola. Je crois que j'ai simplement goûté au pouvoir, que je me suis laissé enivrer. Si seulement je pouvais expier mes fautes. Que Dieu t'entende. Je suis sincèrement désolé, mais c'était le seul moyen. Requiescat in pace.
Putain, mais il tue tout le monde. C'est vrai qu'on est en train de tuer tout le monde là. Non, mais en fait. Regarde, oh là là. Je fuis, en fait. Laissez-moi. Bien sûr, tout va bien. Mais ta gueule! Je suis avec toi, fratello! Voilà. Putain, mais on a encore beaucoup trop. C'est infernal, c'est infini ce truc. Ça s'arrête jamais. Ok. Let's go. Sont donc un peu plus simples. Vous devez surveiller ces champs et faire en sorte que les bottes de foin demeurent intactes. Cette mission n'a rien de palpitant, je vous l'accorde, mais aussi ingrate soit-elle, elle n'en est pas moins vitale. Oh, assassiner le paysan. Un paysan random. Nous leur ferons passer l'envie de résister. Ils n'auront d'autre choix que de se soumettre. Beaucoup sont déjà rentrés dans le rang. Et les 12 bouffons. De vêtements, de vivres, d'un refuge, de chaleur. Sans moi, vous n'aurez rien de tout ça. Je vous entends marmonner. Cette mission n'est qu'une perte de temps. Vous avez mieux à faire. Mais aussi insensé que vous êtes, je le répète, vous devez prendre le chapitre. Hop. Et hop. Alors peur. Tu as laissé ton peuple mourir de faim. Pourquoi? Je ne supportais plus leur insulte. Je ne pouvais plus tolérer leur affront et leur arrogance. Je voulais gagner leur respect. Fair enough. En tout cas, tu n'as pas gagné le mien. La mort est parfois douloureuse. Mais le sommeil éternel est paisible. Requiescat in pace. Mais c'est la fuite, hein. Attendez, on va la voir, tu verras. Je vais le faire. Je l'ai déjà vu. Où es-tu? Et va dedans. Ah ah, vous ne me trouverez jamais. Je suis caché vraiment sous leurs yeux. La fuite. Mon dieu, il a disparu. Mais c'est infernal. Ils sont partout, ces bouffons. Ah, vous ne me voyez plus. Oh, les animations. Complètement perdues. Hein. Et une frame où on a vu Ezio debout dans le foin. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? La map qui bug. Ah, mais là, tu sens que le jeu, il était pas. Pas fait pour PC. Hein. Ou je sais pas ce qui s'est passé, mais. Il n'aime pas. Tu as tous les lieutenants de Savonarola. Bah, c'est toujours la même mission en fait. Ça n'a pas changé. Et pourquoi il y a des mecs à l'autre bout du monde qui m'ont repéré? Ils sont connectés par télépathie? Qu'est-ce que. C'est quoi? Ça marche comment? Expliquez-moi. In città non
Oh mon dieu. Ouais, attendez, 30 secondes. Ok, we back. Le jeu a disparu, super. Très bien. Bah, bah non. Bah idiot. Je peux plus s'accrocher à ces trucs là, très bien. Bah super, bah bravo. Bah, bah non mais... Des fois je me demande à quoi ça sert d'avoir un joystick si le jeu ne prend pas en compte l'orientation. Bon, on a fait que 4 sur 9, mais what, mais c'est infernal. C'est infernal. À l'aide. Chose me dit que ces fauteurs de monde seront moins des malins quand ils seront pris des cibles. Voilà. Oh bah là c'est gratuit hein. Là c'est gratuit, il y a de l'eau. Attends, parce que merde. Mais putain, mais nique ta mère en fait. J'ai bourré la touche pour qu'il attaque, ce fils de pute a rien fait. Infernal. N'importe quoi ce jeu, mais... Il fait bien de faire enculer en fait le jeu. Mais tu peux arrêter de grimper à tout ce qui bouge, fils de pute. Mais quoi, désynchronisé, ta grand-mère, il m'a pas vu. Oh mon dieu. Bon bah par là ça passe pas, très bien. Putain ils bougent les bateaux comme ça. Wow, pas du tout un bug je suppose. Il va répéter 50 fois la même chose, c'est ça? Où il est, l'autre bouffon? Il est pas sur le bateau. J'ai vu les démons du prof. Ouais, j'ai disparu, ouais, de ouf. Ils sont un peu cons, hein, les gardes. Bah non, en fait. Oh bah je suis où? Ah là là, où suis-je? Plaisir, ça idiot, vraiment. Mais il est où? Mais il est pas là, mais... Mais il est... Mais est-ce que ce bouffon n'est pas sur le bateau et c'est le plot twist?
comprends pas par quel miracle je suis ici. Non, pour cette cité. Ah. Il est vrai qu'autrefois je les considérais comme des protecteurs. Mais depuis, elle m'a ouvert. Mais. Nique ta mère. Non mais ce bouffon est sur le bateau, mais... Savonarole nous fera entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fraternité. Bon bah let's go, on va bourrer hein. Assure-toi, ta mort fera des heureux. Cette mission est infâme. Comment j'ai fait pour la passer la première fois que j'ai fini le jeu? Il est où? Putain mais il est caché là. Attends, c'est lui là? Lui là? C'est lui là en plein milieu derrière les gardes. Mais comment je fais pour atteindre ça en fait? Sans me faire repérer? Parce que je peux même pas le lock pour le... Pour lui envoyer des couteaux ou lui tirer dessus, quoi. Infernal. Eh bonjour, vous bougez pas, vous. Savonarole nous fera entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fraternité, d'égalité et de justice. Je vois aucun passage en fait. Comment on fait? Qu'est-ce que... C'était quoi qu'ils voulaient que je fasse, les développeurs? Non, parce que là, ce bouffon est caché. Attends, on le voit dans le coin, non? Même pas. Même pas, on le voit pas. Hein il est... C'est pas où il est. Voilà, il est caché là-bas. Comment je fais moi pour le faire sortir de sa cachette? Je me mets sur ces trucs là et je commence à... Je commence à balancer du... Bah non, je peux pas. Je ne comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. Putain, mais c'est infâme. C'est vrai qu'autrefois je les considérais. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Infernal. Infernal. Quelque chose me dit que ces fauteurs de coups, moins les malins quand ils seront privés de vivre. Par où je passe, moi? C'est bien gentil de passer par là. Quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. Ah. Autrefois je les considérais comme des protecteurs. Le prof. Savonarole. Oh, j'ai réussi. Oh, ce marouflage sur 20. Quoi? Mais qu'ai-je fait? Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. La logique de chez Ubisoft, what the fuck, hein. Je sais pas ce qui aurait passé par la tête quand ils ont fait ce jeu, mais... Rien de bon n'est sorti de tout cela. Mon cœur est harcelé de doutes. Mais mon esprit reste lucide. Requiescat in pace. Alors, maintenant faut fuir. Hein. La fuite! Ouais, ça va être stylé ça. Ouais! La fuite! Et putain, il y a un mur invisible. La fuite vers le mur invisible! Et merde! Et merde! Et merde! Ah!
Bon bah ça c'est fait. Allez, plus que 4. Oh, j'en peux plus. Mais je pense après cette mission, c'est la fin du jeu. Y a plus rien après. On est en full late game, on a tout débloqué et tout, laisse tomber, c'est la fin du jeu là. À un moment, ouais. C'est bien à gauche qu'il faut aller. Et comment je remonte moi? À l'aide. Alors mais... Il est chiant le jeu des fois. C'est bien de nager, mais j'aimerais bien revenir sur la terre ferme. C'est-à-dire pas par là, en fait. Putain. Oh, de l'argent. Comme si j'en avais pas assez. J'ai 220 000 florins, c'est n'importe quoi. Plus riche que les Medici. Mais tout va bien. Waouh. Alors... Wow. C'est risqué là. Bon, on va pas du tout parce qu'il tombe dans l'eau. Non, pas du tout, il tombe sur le bateau, bah du coup il meurt. Enfin, il se pète les jambes. Et vu qu'on est dans Assassin's Creed, bah ça lui enlève un cœur de vie. Un carré de vie, pardon. Bah vas-y, mets-toi dans les fleurs. J'ai récemment trouvé de nouveaux fournisseurs. Toutes les économies que j'ai réalisées, c'est vous qui en bénéficiez. Mmh. J'ai quand même hâte de finir l'histoire avec Ezio parce que bon. J'aimerais bien découvrir Assassin's Creed 3. Je crois que je le dis à chaque fois donc. Comment oses-tu nous interrompre? Florence est malade. C'est notre devoir de la guérir. Si on finit ce soir, je passerai pas à Brotherhood directement. Le peuple embrasser la doctrine de ce sera là-bas la semaine prochaine, je pense. C'est imprudent de défier ceux qui ont le pouvoir. C'est vrai, mais le pouvoir va changer de main. Non! Tu ne me tueras pas! Savonarola aura vent de ta trahison. Garde. Je pense là au mois de décembre il y aura plus de live. On va pouvoir avancer un petit peu plus vite sur sur Assassin's Creed. Tu me casses les couilles méchant. Oh, non. Non. Non non non. Fuis. Putain. On a besoin de lui. Il a besoin de nous. Mais non mais... Bon, vraiment le bon côté des choses, il a l'air d'être aussi buggé que moi. Je le connais. Ah, je l'espère pour lui qu'il vient. Là-bas, Savonarola m'avait pourtant prévenu. Je ne m'attendais pas à tant de violence. Voilà, merci. Je suis une victime. Je n'y suis pour rien. Si, tu as fait un choix. Il m'a ensorcelé avec cette chose. Tu n'as pas ensorcelé avec sa couille magique. J'agis ainsi ah non peuple. La couille d'Eden. Putain, j'ai cru le mec était à poil. What the fuck. C'est quoi ces habits couleur chair? Faut arrêter ça, les développeurs. Dans une texture dégueulasse comme ça. Hein. Bonjour, messieurs. Putain, putain. Bon, allez, je vais détruire. Je vais vous détruire, allez. J'ai envie de vous péter la gueule là. C'est bon. Bah, non, en fait, j'ai. Mais j'ai pas attaqué, j'ai défendu. Mais le jeu, il va pas bien. Hein. Le jeu est malade. Hein. Allez. Oh, on avait Doom aussi. J'avais complètement oublié que je voulais faire les trucs hebdomadaires sur Doom. De toute façon, on a le temps. Sauf si c'est putain de combat dur, mais non. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Tu vas me dire ce qui t'a donné le jour. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait, je vous assure. Allez, ça commence à abandonner, c'est bien ça. Beaucoup trop dangereux pour moi.
Franchement, putain, le one shot. Je sais pas d'où il est sorti, lui. C'était un miracle. Il m'en reste plus que 3. Allez, let's go. Let's go, we'll get there. Let's go. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine, c'est la garantie d'une bonne santé. Alors non, ne faites pas des saignées chaque semaine, les enfants. Faut pas écouter le médecin. Deus Rex. Ils l'ont coupé dans sa prière. Aucun respect. C'est quoi ça, Ubisoft? Attends, faut que je monte tout là. Quoi? Ah non, ok. Putain, j'ai peur, j'ai cru le mec il était tout là-haut. Allez, let's go, on va monter tout là-haut. J'ai rien fait, mais ça veut me buter. Infâme. Infâme. J'en peux plus. À l'aide. J'en peux plus d'Assassin's Creed. Et ça va être comme ça pour les deux prochains. Enfin, dans le 3, ils ont changé, mais. C'est pas vraiment mieux en vrai. Super. Très bien. Voilà ce qui se passe, mais let's go, hein. Passionnant, vraiment, gameplay top qualité. Mais non mais, je fais 50 esquives mais il s'en pète un. Attends, je reprends mon arme. Mais non mais, ramasse l'arme. Ramasse ton arme. Allez. Passionnant, vraiment, un plaisir. Tu peux-tu mourir, s'il te plaît? Infâme! Tu peux pas l'esquiver, ta putain de. D'attaque de merde là! Oh là là! Mais non, regarde! Oh, regarde! C'est tellement de la triche les remèdes, mais. Ils ont vu le jeu était nul, ils ont fait. Ah, on va mettre des remèdes! Oh là là, la grosse hache! Ouf! Allez, elle est où mon épée? Celle-là, hein! Bien celle-là. Hein. Ouais. Les pédales Taïr. Let's go. Ouais, mais aussi tes gardes, ils s'attaquent à Ezio Auditore. Ezio. Ah, on en a encore, hein, là, du Ezio qui va arriver. Hein. Je suis en mode. D'un côté, je suis en mode, waouh, on a bientôt fini, c'est trop bien. De l'autre, je sais qu'il y a encore deux jeux avec lui. Et qu'on est loin d'avoir fini son histoire. Il y a encore tellement de jeux derrière. Mais bon, au moins après ça change de perso à chaque jeu. Je crois que le doubleur ne parlait pas latin, en fait. Parce que c'est ridicule. En même temps qu'il parle latin, c'est une langue morte. Superbia
Infernal, ta gueule. Putain, le jeu m'a écouté, hein. Ah non. Bonjour, alors. Non mais, je voudrais vous tuer, monsieur. Ça vous va? Voilà. Mais c'est n'importe quoi, mais regardez ça. J'ai cru. Mais non mais... Il y a un moment, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Mais pourquoi? Mais... Mais MDR... Je crois que... Je voulais... Ouais, très intéressant. Comme nous tous. Je suis ici dans un seul but. Je veux accomplir l'œuvre de mon père. Requiescat in pace. Let's go. Tu peux arrêter de bugger la caméra. Non, non, accroche-toi à quelque chose. Oh, putain. J'ai vraiment cru ce bouffon. C'est pas comme ça que ça marche, la physique. Putain. Et dire que le moteur physique, ils l'ont gardé jusqu'à... jusqu'à au moins Assassin's Creed 3. Hein. Je crois même dans le 4, c'est le même. Putain. Infâme. Infâme. Allez. La map. Yes, il fallait que je bouge. Sinon, il comprenait pas ce qui se passait. Bah, très bien, let's go. Hein. Hop. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Let's go. C'est par où? C'est par là. Mais j'en veux plus de ce jeu. Mais c'est une blague. Tout ce qui se passe, c'est une putain de blague. C'est pas possible. Yes. Oh là là. C'est hilarant. Ah, je suis pas déçu d'avoir fait ce petit long play là. Premier long play de la chaîne. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai pris un des plus longs en plus. Dans tout ce que je voulais faire. Il y en a plein qui consistent... qui sont constitués de genre 3 jeux, genre... Genre Witcher, Mass Effect, etc. Bon, après, c'est quand même des jeux longs. Hein. Et là, j'ai pris Assassin's Creed. Il y a 150 jeux, tu sais. Ça n'en finit jamais. Alors. Et merde. Je me disais, ouais, je passe par le pont, tout va bien. Non. Non, non, non. Il y a des gardes. Let's go. Non, mais... arrêter de faire n'importe quoi 2 minutes. Et vu que le moteur physique n'est pas changé, même le moteur graphique ne change pas jusqu'au 3, bah du coup MDR quoi, les bugs ils vont rester là longtemps. C'est un peu amélioré mais c'est toujours le même quoi. Personne n'est autorisé à passer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tant que vous refuserez de vous soumettre à... C'est quoi, c'est le boulanger cette fois-ci? Prophète, je ne laisserai personne franchir ce pont. Et le condottiero. Ok, let's go. Est-ce que j'ai le droit de repérer cette fois-ci? Ah, I don't know. Ouais, ouais, on va se soumettre. T'as vu, t'as vu. Tic 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 tic. La nôtre, les Medici que vous respectiez tant, vous ont abandonné. Ils ont fui en exil pour mieux s'apitoyer sur leur sort. Savonarola veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Débarrassé du vice et de la tentation, un peuple uni dans la foi. Le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais arrête de faire du surf sur les cadavres aussi, toi. Avec un garde en prime. C'est le bonus. Tu portes l'habit des nobles. Comment Savonarola t'a-t-il envoûté? Attends, mais what the fuck, j'ai pas eu ma... 40 minutes après. Ah, il y a eu un nouveau follow. Bah, merci. Merci à toi. Le type est parti depuis. Il a vu que j'allais le remercier. Il a fait ah, fuck this shit. Ah, I ain't coming back. I ain't coming back. Nah, nah, nah. Désolé. Désolé, mais j'entends pas mes. Ah. Peut-être, oh là là. Je suis dans la merde. De l'eau. Et pelouf.
Oh bah vous me voyez pas. Faut que je change un truc parce que là j'entends pas mes... mes alertes. Du coup c'est un peu chiant. Cache pas. Je vois mon truc, je vois 97 followers. Quoi? Pardon? Depuis quand? Quoi? Il y a eu un follow là pendant le live? Ouais ouais, il y a 40 minutes, il y a un mec qui m'a follow. Très bien, bah let's go. Bah merci. Et pourquoi c'est des pseudos à chaque fois, je ne peux pas les prononcer, c'est... Toreols, je ne sais pas. Bah si tu es toujours là, merci beaucoup à toi. Et si tu n'es plus là, bah... de bienvenue quand tu... Bah, si t'es pas là, de toute façon tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est... Bah oui, Apo, bah oui, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Le métier de streamer, hein, c'est pas tous les jours facile. Hein. Ouais. Bon, les mecs, ils sont à l'autre bout du monde, du coup, je doute qu'ils me voient réellement. Mais c'est quoi? Mais ce jeu est possédé. What a... Let's go. Putain, mais c'est Kenshiro Strat. The fuck. Ah, j'ai de l'énergie ce soir, ça fait plaisir. Putain. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ok, très bien. Bah, je suis toujours en fait en train de me faire courser par les autres bouffons. Alors que bah non, en fait, ça fait longtemps quoi que... Mais quoi? Mais quoi? Mais aussi il a bugué, il est à l'autre bout du monde, d'où il me voit. Mais d'où eux ils me voient? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais ça y est, là le jeu il est mort, il est en train de décéder. Mais j'en peux plus. Laissez-moi. Laissez-moi. J'en ai marre. Il y a un mec qui me poursuit mais... Oh putain, mais faut que j'aille le buter en fait. Ça y est, c'est infâme le jeu, on arrive en fin de game. Bah c'est... J'ai... Oui, tout à fait. Et ça y est, tous les bugs... Ah mais tous les bugs qu'il y a eu de pendant... En tout le jeu, là, ils sont tous accumulés ici. Ils reviennent tous ici. Attends, mais non, mais faut que je bute ce mec là en fait. Attends, Kenshiro Strat. Ok, ça va être compliqué. Oh là là. Allez, Dynasty Warrior. Let's go. Ça me fait chier ce truc des alertes. Parce qu'en gros, je les ai monitor dans OBS. Pour pouvoir régler leur son par rapport au jeu et tout ça. Sauf que du coup, eh ben je les entends pas parce que sinon vous les entendez en double. Donc bah faut que je trouve un autre moyen. Ah non mais attends eux, ils sont faciles à battre. Bien quand le jeu est débile. Voilà, donc fallait tuer tout le monde. Maintenant ils peuvent marcher sur le pont. Ils sont toujours buggés. Let's go. Let's go. Allez, j'en ai marre du jeu. Allez. Et next. Et hopefully Brotherhood sera un peu moins buggé. Je sais qu'il est autant buggé Brotherhood. Pareil pour Révélation. Probablement pareil pour tous les autres. Quoique, à partir du 4 au moins, je sais que c'est jouable sur PC. Alors que là, clairement. Bah, tu sens que. Ah, ça me fume. Fais des sauts tout seul, c'est ridicule. Le voilà, arrêtez-le. Ah mais il y a un moment, idiot, enfin, fais des trucs, je sais pas. Arrête d'être con deux minutes. Ça y est, il me voit plus. Le mec, il sait pas regarder en bas. C'est... Magnifique. Parfait. Let's go. Peuple de Florence, approchez, rassemblez-vous
Écoutez ce que j'ai à vous encore dire. Un prêtre, mais la fin du monde est proche. La fin du monde. Repentir, d'implorer le pardon du Seigneur. Désolé, mais la fin du monde. Let's go, la fin du monde, on y croit. Attends, il est où ce bouffon? Oh bah, let's go. Oh bah, let's go. Attends, on va essayer de la jouer. Que jamais nos cœurs doivent être remplis de dévotion où nous sommes promis à une mort certaine. Vous vous défiez de moi. Oh bah tiens. Vous me prenez pour un fou. Ah, mais n'est-ce pas exactement ce que les Romains pensaient du Christ? Autrefois, mais je qu'est-ce que... Je partageais toutes vos craintes. Et puis un jour, oh là là. Savonarola est venu à moi. Tiens, tu peux mourir. Merci. Quelqu'un m'ouvrait enfin les yeux. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous aider à ouvrir les vôtres. Vous devez comprendre. C'est un peu comme si nous nous avons... Ah, ne le laissez pas. M'énerve. Toi, tu n'iras nulle part. Oh, merci. Dans le sillon non, infernal. Hein. Bien plongerez-vous tête baissée dans l'abîme des ténèbres. Votre équilibre est déjà brisé. Et voilà. Boum. Ma parole. Voilà qui est fait. Tu penses que ce que tu as dit? Pardon, j'en peux plus de ces dialogues débiles. Nous n'avons pas tous été manipulés. La fin du monde. C'est un complotiste. C'est les complotistes de l'époque. Tout ce que j'ai dit. Rien n'est vrai. Tout est permis. J'irais autrement si je pouvais. Les Quiesca des... Mais si t'appliques ça, en fait, t'es juste dans la matrice. Bah techniquement, ils sont dans la matrice vu qu'ils sont dans l'animus. Bonjour messieurs, alors non. Oh là là. Oh. Tiens, il y a des cadavres. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Oui, il court. Bonjour messieurs. Il y a des femmes, mais c'est pas grave. Let's go. Allez! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Attends, j'ai rien du tout. Oublie, je suis pas là. Let's go. Let's go. La place est en bas avec la population. Je l'ai trouvé! Allez! Il est là! Mais j'ai pépé. Mais what the fuck? Ah, mais ce jeu, mais. Ah! Non, mais moi je voulais te sauter dans l'eau à la base. Du coup, bah c'est raté. C'est bon là, vous me voyez plus. Allez hop, let's go. Voilà. C'est fini. On les a tous butés, les 9. Ça nous a juste pris 1h30. I'm fucking balding, what the fuck. Bah j'ai plus de cheveux, c'est très bien. Dans 2 streams, je suis chauve. Attends, quoi, il nous en reste un? Non, attends, non, non. Bah non, non, c'est la prochaine mission. Je suis bête. J'aurais pu quand même nous ITP, hein. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Une bande de méchants là. On de la merde un peu, hein, des fois. Let's go. On peut grimper par là, il y a un truc. Non. Bah non. Absolument pas. Absolument pas. Bonjour monsieur, je voudrais vous assassiner. Ah oui, mais si t'as pas de support, si t'es juste comme ça, en train de hang, comme un connard, avec tes bras, bah tu ne peux pas assassiner les mecs. For some reason. Ah bah, j'ai plus de vie. J'ai 0 vie. Attends, il y a un médecin. Bonjour monsieur. Je suis là pour vous soigner. En fait, j'aurais dû aller voir aussi
Comment ça s'appelle? Un forgeron pour acheter des... des couteaux. Putain, mes phrases qui sont à rallonge parce que j'oublie mes mots. Très bien. Dis-moi qu'il y a un forgeron à côté. Putain, il est loin. Il est loin. Allez, c'est bon, ça fera l'affaire, lui. Il a l'air d'être plus proche que l'autre. La garde recrute des volontaires pour effectuer des patrouilles. J'ai servi des dupes. Bonjour, réparé. Tout réparé. Aucune armure à réparer. Très bien. Je m'en fous, j'ai déjà tout. Munitions. Hop. Putain, mais il y avait un bouton depuis le début. Regardez, ouais. Regardez. Hop là. Quel bouffon! Mais quel bouffon! C'est pas possible! Bombe fumigène, je suis déjà plein, pistolet, j'utilise jamais. Ouais, la République! La Renaissance, mais ça parle déjà de République. Hein. Quand même, ils étaient en avance, les Italiens. Arrête, tu vas finir par casser quelque chose. Et te casser la gueule, ouais. Pardon, c'était très violent. Pour rien. Je vais hop là. Let's go. Bon travail, Ezio. Que va-t-il se passer? Regarde. Silence! J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers! Purifiez vos âmes! Il y a tant de péchés à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser! Vous ferez ce que je vous ordonne! Vous vous soumettrez. Non! C'est pas le bon touche! Le bon touche! Attends! J'ai raté! Non! Quittez! Oui, non, mais putain. Je refuse de rater un QTE. Ok, let's go. Oh putain, je suis désolé. C'est débile. Let's go. Bon travail, Ezio. Que va-t-il se passer? Regarde. Yikes. Regarde. J'exige le silence. Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous? Le mec il s'est pris pour Gabriel Belmont. Avec la croix là, bien accrochée à sa ceinture. Purifiez vos âmes. Il y a tant de péchés à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser. Vous ferez ce que je vous ordonne. Vous vous... C'est bien quand même parce que si tu rates le QTE, t'as quand même quelqu'un qui fait le QTE à ta place. Parlez-vous de la pomme d'Eden? Non, je refuse, non, je m'en bats les couilles, non, je rigole. Let's go. Bah, ouais, ça commence bien. Oh là là, ça commence bien. Non mais... Ha! Laisse-moi bouger! Ah mais... Bonjour monsieur. Bah oui mais... Voilà. Let's go. Bah j'ai la pomme. Pas bien. Ils ont arrêté de me poursuivre. Est-ce que du coup j'ai le droit de l'utiliser, genre droit de faire des dingueries avec? Non, absolument pas. Est-ce que je suis un demi-dieu maintenant? A l'aide! Non! Huch, roulade! Roulade! La roulade des Assassin! Gontran assassin! Putain. Mais bon, plus personne me voit, let's go!
C'est clairement la fin du jeu, là. C'est le climax du jeu. Tatatin. Mais c'est à l'autre bout de... C'est à l'autre bout de la map. Il y a le pont à côté. Let's go. Putain, mais c'est Running Simulator, c'est infernal. Bon, c'est où? Parce que là, ça me casse les couilles. C'est juste à côté, très bien. Très bien, parfait, let's go. Et d'où tu sors, toi? Let's go! C'est pas du tout ça. En fait, aujourd'hui, ça m'énerve pas les bugs, du coup. Je rigole juste. Comme un con. Oh putain, mais c'est de l'autre côté, évidemment. Mais c'était sûr, en fait. Mais c'était sûr! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche, il sert à rien. Bon bah let's go. Putain. Infernal, je vous jure. Tiens, rappelez quand même qu'on a la moitié des plumes. Voilà. Information useless, mais... Hérétique au bûcher. Qu'est-ce que je suis censé faire en fait? Très bien, ben moi j'aurais lancé un couteau, mais Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Bah non, t'es mort en fait. Tu l'as. Tu peux partir. Fais pitié, frère. Tu vas bientôt comparaître. Très bien. Devant ton dieu. Requiescat in pace. Allez, requiescat in pace, et voilà. Tout va bien. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Il brûle quand même. Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. 22 ans? J'ai vu ceux que j'aimais mourir. Trahi par ceux qui étaient mes amis. Ah, le mec a 40 ans là. La soif de vengeance me rongeait. Putain, mais il avait quel âge au début du jeu? Il m'aurait consumé. Parce que moi je lui aurais dit peut-être 17, un truc comme ça. Ou plus jeune. Qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse. Mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre. Peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Putain, c'est beau, hein. C'est inspirant ce qu'il dit. Mais je m'en souviens pas du tout de cette partie du scénario. Je sais que je l'ai déjà fini une fois le jeu, mais je me souviens plus du tout de ça. Ah si, je me souviens ce qui se passe. Il nous reste deux séquences. Seulement deux. Après, des fois, il y a des séquences très courtes.
Les séquences du milieu du jeu, entre 7 et 10, c'était beaucoup plus long que là les dernières. Bah, aussi beaucoup plus long parce que bah, forcément, m'attarder à faire plein de trucs annexes. Page du codex trouvé 30 sur 30. Ah bah oui, forcément. Par contre, pourquoi tu nous mets là en plein milieu de nulle part hein. Tu pouvais nous mettre à l'entrée de la ville, ça aurait été beaucoup plus pratique. Pas très gentil ça le jeu. Spot très nice. Ah tiens, je vais pouvoir checker si... S'il me manque des trucs. Normalement, il me manque plus rien. Mais... Checker ça dans la ville là. Je vais quand même regarder. Peut-être, il y a des nouveaux tableaux. Absolument pas, évidemment. Évidemment. Carte au trésor, à quoi ça sert? J'ai tous les coffres. Ah, bonjour, monsieur. Je voudrais être soigné. Putain, mais ça coûte moins cher ici. J'avais oublié. Vis toujours. Hop là, let's go. Bon, là, j'ai tout. Là j'ai tout aussi normalement. Quoique non, il y a un marteau. En fait il y a des trucs, t'es obligé d'avoir toutes les plumes si tu veux. C'est Mario ça ou pas? Ah, te voilà. Tu as besoin de t'entraîner un peu? Non. Tu seras toujours le bienvenu, Ezio. Reviens oui, quand tu veux. Très bien. Allez, des bisous. On met les plumes. C'est très important les plumes. Tous ces tableaux. Boum. Je t'ai vu apporter les plumes à Maria. Je comprends que tu essaies de soulager sa peine, mais il faut voir les choses en face. Ça ne l'aide pas. Je pense que tu devrais te changer les idées. J'ai demandé au forgeron de te faire une nouvelle arme. Tu peux passer la récupérer quand tu veux. Let's go! Je suis désolé, Ezio. Je suis désolé, Ezio. Ninja! Je disparais d'un coup! Putain, mais tu peux être un peu moins rustre, le jeu, s'il te plaît? Alors, je sais, il y a la quête et tout ça, il y a plein de choses, mais nique sa mère. Putain, mais 238 000 florins, mais... à quel moment? Arme! Bam 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 bam. Oh, il est nul. Je m'attendais à un truc grave stylé. C'est pas grave, on va aller s'équiper de l'épée d'Altaïr. Mais je me bats pas au marteau moi. Et Dieu il se bat à l'épée. Je suis désolé mais les haches, les marteaux c'est bien stylé mais non. Je me souviens quand j'avais joué à Révélation, quand j'étais petit j'étais avec une putain de grosse hache en train d'escalader les murs. Ce qui faisait approximativement aucun sens. Où sont les épées? Ici. C'est la taille. Hop, c'est équipé. Et du coup, là, on a tout. C'est ça, oui, on a tout. Les trucs qui sont vides, je sais pas pourquoi, mais let's go. Attends, les couteaux, on a tout. J'ai cru qu'il y avait un... Ouais, non, c'est juste les textures qui... Enfin, la lumière qui fait des trucs bizarres. C'est pas ray tracing ça, attention. Son PC ne tient pas le ray tracing. Hop. Et bonjour madame. Salut, t'es Claudia. Tu veux consulter le livre? Bah je sais pas lire. Protection 97%. Quoi pardon? Ah sur tout le jeu total je suis à 97%. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Toutes les plumes dans le coffre à débloquer et portrait des cibles récupérées. Ah. Ah. Il nous reste 50 plumes, tu crois vraiment que... 97%, bah ça va. Ça va, je pense que c'est bon, ça va. On va pas non plus trop chipoter, hein. Il y a un truc dans mon pub ou quoi? What the fuck? Bonjour. Je viens pour l'entretien. C'est pas vrai. L'heure est venue, mon oncle. Il est grand temps de finir ce que vous et mon père avez commencé il y a tant d'années. Oui. Mais je sais pas lire, je vous l'ai déjà dit. Saisir le sens de cette mystérieuse prophétie et déjouer les manœuvres de l'Espagnol par la même occasion. Il faut commencer par trouver le sanctuaire.
Les pages du codex nous mettront sur la piste. Étudions-les. Il est au Vatican. Je crois qu'on l'avait déjà dit la dernière fois. Oui. Interagissons. Interagis. Il fait ce con. Interagis. Bah, tu veux que j'interagisse avec quoi? Avec ça? Putain, mais quel poulet. C'est bon, j'ai tout. Je suis pas une bite en géographie à soin, tout est mis dans le bon sens. Et... très bien. C'est une carte du monde, mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir, ou à redécouvrir. Comment est-ce possible? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver? Non. Je rappelle quand même que l'Amérique est déjà découverte à ce moment-là. Le sanctuaire. Bon, après l'Australie, ils connaissent pas, je crois. Le sanctuaire se trouverait à Rome? Alors l'Espagnol. C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton? D'après le codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi tu auras le champ libre pour te livrer à des... Donc ça, ouais, c'est la dernière mission, on va finir le jeu. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Bah let's go, de toute façon. Let's go, 97%, ça va, c'est bon. Je suis satisfait avec ça. C'est un peu frustrant parce qu'il manque que 3%, mais... les 3%, ça veut dire chercher des putains de plumes à travers toute la map. Donc c'est non. Let's go. Rome nous appelle, Ezio. Allons à Rome. Quand tu seras prêt à partir. Sachant que Brotherhood se passe exclusivement à Rome. Je crois que Rome, il se passe pas grand chose hein, là-bas. Il y a juste la mission principale et il y a rien d'autre. Je crois. On peut pas la visiter ou quoi que ce soit dans celui-là. Rome, 1499. Allez-vous dans la chapelle Sixtine et assassiner Rodrigo Borgia? Pas super. Wow. Ça, c'est grosse texture, hein, background. Bon, je sais, fallait pas se retourner, mais... c'est trop tentant. J'ai fait le plein de munitions, oui, je crois. Probablement. Hop. Hop, hop. Chop, chop. Ah, c'est le full climax du jeu. Hein. Je le vois. Il est là. Hey, shit. Nos tortionnaires sont vraiment très joués. On va leur raconter tous les secrets. Et les secrets de tout le monde. Arrêtez. Bah putain, attaquez pas en même temps en fait. Laissez-moi respecter le cliché des Assassin's Creed là, c'est quoi ça? Tu sais, je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Je vais te mettre les tripes à l'air. Voilà. Et voilà. Merci, bonjour, au revoir. Let's go. Alors la fin elle est mindfuck, hein. J'espère que vous êtes prêts.
Parce que là, ça vous encule la tête. Il est là ! Trouvez-le-moi ! Il doit pas être loin ! Je suis caché ! Bon, tant pis, je vais courir et les assassiner, mais visiblement le jeu a dit non. Je sais pas combien de temps on a passé en tout sur ce jeu, mais je crois que ça nous a bien fait une vingtaine d'heures. Plus en tout cas que le premier, ça c'est sûr. Tu ne vois rien du tout. On sait qu'ils sont vraiment... Non, ils ont pas le droit, je crois, de prendre des photos du Vatican. Je sais pas, si peut-être, si je pense. Mais... Voilà. Tu peux te battre, mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui glande, ce bouffon ? Bats-toi ! Bon, t'attaques, toi. Tu n'as aucune chance. Allez, attaque ! Finissons-en. Voilà, merci. Bon, toi là-bas. Ils doivent pas s'enfuir. Bon. Waouh. Ben oui, bien sûr. Très bien. Je ne savais pas que c'était aussi violent, mais ok. Assassin. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas tous les fragments là, les machins visuels là. Oh, cette espèce d'histoire chelou. Ouais, un cheval sur les remparts parce que... Putain. L'infamie. C'est pas grave, let's go. Oui, bien sûr. Fermez les portes! Arrêtez l'intrus! Oh! Je vais maroufler le jeu, mais non. Cette injustice. Allez. Avant qu'il te balance de la caillasse. Grimpe, grimpe, grimpe. Plus vite que ça, plus vite que ça. Allez. Let's go. Let's go. Bonjour, messieurs. Allez. Mais non! Mais c'est bon, là! Mais nique ta mère, en fait! Mais. Oh putain. Et voilà, il faut se battre. Ils en sont fiers de leur combat de merde. Hein. Ils en ils mettent partout. Hein. On va me saouler. Allez! Mais putain... Égrouille-toi! J'ai pas que ça à foutre! Les animations qui prennent 1000 ans. Mais pourquoi? Tu les as pas tués normalement? Bon, vous attaquez là, ça devient chiant. J'en ne peux plus de ce combat de merde. Et meurt. Bien sûr, bien sûr. Allez! Voilà, maintenant que ça c'est fait. Bon. Course-poursuite qui se passe pas du tout comme il faut. C'est pas du tout une course-poursuite au final, c'est juste de la merde. Allez, let's go. Bonjour monsieur. Vous n'avez rien vu.
Ouais, briser mes jambes. Putain, mais on pouvait sauter dans le foin. C'était bien fait en fait. Mais grimpe! Mais non. Oh putain, ça va être infernal là. S'il commence à me toucher, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est la fin. On va la voir. C'est raté. C'est un ratage complet. Monsieur, je ne fais que passer. Never mind. Ouf. Bonjour, monsieur. Ça va être infâme là. Putain. Allez. Un peu chiant votre jeu là. Même eux ils se demandent ce qu'ils foutent là. Les cadavres qui volent pour aucune raison. Ça m'avait manqué ça. Allez, let's go. Tu vas rester planté là indéfiniment. Ça va être pas fait. Restez calme. Oh. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais comment ça? Mais je suis anonyme, mais t'as rien en fait. Putain, mais les mecs ils me voient pas. Il se dirige à nos quartiers. Il est là. Reste en place. Va se pratiquer. D'accord, c'est parce que eux ils peuvent pas. Allez, on va juste le spammer, ça devrait marcher. Son attaque est plus lente que la mienne, du coup, bah forcément. Mais il y en a d'autres. Mais niquez-vous en fait. Mais en fait t'existes pas toi. Comment ça que tu n'existes pas? Non mais... C'est une blague, enfin... À un moment vous me voyez pas là, vous savez plus où je suis. Enfin, pourquoi la zone de détection elle est là? Vous êtes au courant que c'est complètement con ou... Vous êtes juste con vous-même. Non mais il faut retourner tuer les bonhommes mais... Mais j'en peux plus, mais le jeu est... Je sais que le jeu avait beaucoup moins de bugs sur Play 3. Hein. Là c'est affligeant. Enfin, tu sens que... J'ai... Oh putain... Allez, mais attaquez là, j'ai pas que ça à foutre. Allez. Allez les gens, on se motive.
C'est bon, je peux continuer. Après seulement 1000 ans, on peut continuer. Putain, on a fait un massacre. On a tué tous les gardes. On a vu personne au Vatican, tu sais. Plus que le pape. Faut que j'arrête de spammer en fait. Tout va bien. Tout va bien. Mais non, tu ne me connais pas. Regarde. Pouf. Pouf. Oh bah tiens. Ninja. Ah, ça je reconnais, c'est la voix de Borgia. Ouais, je vais remettre le micro un peu plus proche. Parce que je sens que je parle un peu moins fort. Du coup, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum. Let's go! Let's get it! Attends, mais on n'a pas tué Borgia? Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. Attends, mais Borgia, c'est le méchant du Brotherhood. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai tant perdu. Requiescat in pace, pauvre fou. Ce n'est pas mon heure. Ah, un combat de boss. Ouf. Tu devrais être mort. Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la-moi. Jamais plutôt mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi, mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner. Comme tu voudras. Oh bah tiens, ça me rappelle un truc, ça me rappelle un boss fight d'un autre jeu, tiens. Sinon, quelle puissance impressionnante. Mais si tu crois que ça va te sauver, tu te berces d'illusions. Assassiner Rodrigo Borgia. Let's go. Très astucieux. Très inutile. Assez longtemps pour te tuer. Allez! Oh, sa vie, elle tombe pas. Hein. Tu as raison de me craindre. Mais je ne te crains pas, en fait. Mais ils se gamellent tout seuls, les autres idiots. Ils sont trop forts. Voilà. Mais c'est pas possible qu'on le bute. Il s'enfuit, je suis sûr. C'est terminé, Rodrigo. Si tu déposes les armes, je te promets une mort rapide et sans douleur.
Vraiment, Ezio. Si tu étais à ma place, renoncerais-tu aussi facilement? Nous allons bientôt le savoir. Je vais m'occuper de toi. Encore une frame où Ezio était debout. Ça casse un peu l'ambiance, hein, ce genre de truc. Le passage secret. Cible repérée, pas du tout. Cible repérée, toujours pas. Si, complètement. La musique. Ça y est, ça part en disco synth. What the fuck? Ah, je me souviens de ça. Hein. Ça. C'est la fin mindfuck. Il y a la Can Maker qui va venir nous parler. Oura! Ne me dis pas que vous autres, assassins puissants, ne l'avez pas encore. Ouf. Quoi? Ce sont duels. C'est la peur de l'éternel. Parade! Voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans Oura! Dieu vit dans le sous-sol du Vatican? Cette phrase est magique. Ouf! Oh, l'esquive, bien joué! Ouch. Ich. Je m'en moque. Je n'ai pas besoin de sa bénédiction, mais de son pouvoir. Bah, ils veulent vouer le pouvoir de Dieu. Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut résister au bâton et à la pomme. Ces reliques peuvent vaincre les dieux. J'y crois pas trop. Il est tout puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je fais durer le combat spécialement pour le dialogue. Écrit dans des textes archaïques qui sont de surcroît rédigés par des hommes. Tu es le pape et tu remets en question le livre fondateur de ta religion. Quelle désolante naïveté. Je suis devenu pape pour avoir les mains libres, pour le pouvoir. Je ne crois pas un piètre mot de ce recueil inepte et grotesque. Mensonges et superstitions, tout comme les autres textes religieux écrits au cours de ces 10 000 dernières années, d'ailleurs. Très bien. C'est tout ce que tu avais à dire. Il se relève. What the fuck? C'est impossible! Tu ne peux pas! C'est ma destinée! La mienne! C'est moi, le prophète! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons-en. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini.
En ce monde, rien n'est vrai. Tout est permis. Requiescat in pace. J'aurais quand même foutu une grosse patate. Un bon gros coup de pied dans la tête. For good measure, you know. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Le jeu il est fini. Attention parce que là, préparez vos cerveaux, le mindfuck est réel. Enfin en vrai ça va, c'est pas... Neo! Réveille-toi de la matrice! Putain, what the fuck? Y'a Mon Mothma qui nous parle, à l'aide. Nous devons parler. Qui êtes-vous? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera. Et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Uni. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tinia. Vous êtes des... dieux? Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêt. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Ça n'a aucun sens. Let's go. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. The fuck? Pourquoi elle regarde la caméra aussi? Encore de chair, que notre monde était encore pur. Tes semblables nous ont trahis. La fin d'Assassin's Creed 4 est similaire. C'est un screen? Ah oui. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes, réduit en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créé à notre image. Vous étiez nés... pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée, vous aussi. Cela a exigé des sacrifices, de la force, de la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Notre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. Mais vite, le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Ainsi que le s'achève.
L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! C'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Oh mon dieu. Ils ont un problème avec les fins. Deux jeux, deux fins qui... Tiens, c'est la fin. Ah, quoi ? Bonjour ? Bonjour, oui. C'est la fin, ta gueule. Ah, très bien. Bah, très bien, let's go. Let's go, c'est la fin. Bon, ben voilà. Hein, Assassin's Creed 2, c'est fini. Yes, super, on est bien. On va skip ça. On va skip ça, hein, parce qu'on s'en fout. On peut pas ? On peut pas ? Yes, on peut pas, bah... Ah si, peut-être. Ils seront là dans moins de 10 minutes. Il me faut tout mon équipement. OK, OK. Avant qu'ils arrivent. Il y a un truc. Ouais. Ouais. OK. Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi, ils sont ici ? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y. Bien, bien, let's go. Alors, c'est quoi le plan ? On quitte le navire et après on fait quoi ? Nous avons une autre plan. Elle, on a de la compagnie. Oui, mais aussi, si tu marches... Le fourgon n'est pas loin. Bah, il fait comme idiot. Hein. Let's go. Monsieur Miles, on dirait que les événements prennent une tournure assez inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. Me faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic ? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons mais bien sûr. De grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Stillman, décidément, vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez ? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi ? Oh, voilà que vous me resservez ce discours. Dites-moi si je me rappelle.